sont pas contents. Hein. Allez. Allez, on va faire cuire tout ça neuf. Moi, je continue. Le parc Chano, les amis. Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, on passait par derrière le rond-point. Maintenant, on passe de ce côté. Derrière, ben, it is a block. Et on arrivait par là, en fait. J'oublie, son, vous avez vu, ça faisait une cœur. Une cœur sur le. Sur le. Sur le postérieur. Et mes amis, bonjour. Un grand bonjour à tous. On se retrouve, nous sommes sur le Jarret. Vous avez Françoise Duparc, Sakakini, patati patata. Bon, ce Jarret qu'ils nous ont refait il n'y a pas deux ans maintenant, hein, je parle fini. Hein. Dans le début de la chaîne d'ailleurs, vous voyez l'avancement des travaux. Bref, ils nous ont fait n'importe quoi, ça passe à deux voies, ça passe à trois voies, ça revient à deux voies. Ils nous ont fait des trottoirs, que, ben, si vous voyez les angles, ils sont tous noirs parce que les gens n'arrêtent pas de se les bouffer. C'est une grosse connerie, il était très bien comme il était, le Jarret. Pourquoi ils ont refait tout ça? Pour faire leur piste cyclable de merde sur les trottoirs pourris. Voilà. C'est bon, c'est bien pour les piétons, hein, mais les trottoirs ils étaient là avant. Voilà. C'est vrai que c'était des trottoirs noirs, goudron, fait bon. Voilà, maintenant ils sont là avec leur piste cyclable de merde. Voilà. Toujours est-il que nous avons du soleil, un calve relativement plat. Quand je vous dis ça, mes amis, parce que c'est fini hier, nous avons eu 3 jours de Mistral intense, 3 jours de Mistral à un point. Que ça pouvait arracher la queue d'un âne, voire même deux ânes. Alors, les amis, aujourd'hui, il fait bon, il fait beau. On s'approche petit à petit de l'été. On s'approche. Bon, alors le Jarret, ce qu'on appelle communément le Jarret, ben vous voyez, encombré, pas encombré. Voilà, vous voyez, piste cyclable, ils l'ont bon, c'est provisoire normalement, il est là-bas, mais il y a des travaux. Alors, il faut faire un peu du cross, c'est piste cyclable. De croissance, voilà. Et celui qui va tout droit, il se mange l'arrêt de bus. Il n'y a qu'à Marseille qu'on voit ça. Non, j'imagine qu'ailleurs aussi. Oh putain, j'avais oublié cette connerie là. Ça, c'est un truc que je lève régulièrement, mais que je ne sais pas que je coupe le contact si vous voulez. Ça se remet, c'est anti-collisio. C'est un véhicule tout près. Et bien, le camion il freine seul. Je ne supporte pas ça. C'est-à-dire que c'est pas moi qui contrôle le camion, c'est le camion qui se contrôle lui-même. Vous avez vu un peu l'engin? Ça, c'était un bourdon. S'il vous pique, ben, il vous pique pas, il vous empale, vous partez avec. Voilà. Alors, le Jarret, bon, là, c'est la partie, on va dire, Sakakini. Et avec nos beaux faux rouges tricolores, hein, rouge, orange et vert. Mais là, en l'occurrence, mes amis, c'est du rouge, comme d'habitude. Alors, la hauteur, si vous voulez, sur la gauche, il y a la piscine Valier. Et sur la droite, si vous voulez, d'ailleurs, même à gauche, ce que ça traverse, c'est l'avenue Foch. Alors, l'avenue Foch, dans le Monopoly, je crois que c'est la plus chère ou une des plus chères, peut-être la plus chère. Mais nous ne sommes pas dans le Monopoly, nous sommes dans la vie réel, et mes chers amis. Alors on continue, vous savez ce qu'on va faire? On va continuer un peu, on va prendre si vous voulez le boulevard Bayon, on va aller voir un petit peu ce rond-point de Castellane. Vous savez qu'il y a un travaux depuis un certain temps en rapport à la ligne du tramway, l'avancée, hein, des travaux. Alors je ne vous cache pas que question de travaux, sûrement à Marseille on est servi, hein, on n'a pas à se plaindre. On a nos petits travaux à nous, parce que je sais qu'à Paris, c'est une chantier à ciel ouvert. Marseille, ça le devient. Ouais, ça le devient, les amis. Une chantier à ciel ouvert. Je vais le mettre là. Voilà. Parce que sincèrement, la file de droite, c'est pour tourner à droite. Mais beaucoup se mettent là, si vous voulez, pour aller tout droit. Uber Eats. Donc, je vous disais, vous voyez, un peu comme lui, du droit et qui me colle. Voilà. Sincèrement, c'est pour tourner à droite. Et ils vont tout droit. C'est pour ça que bon, là j'ai pas fait le chien, hein. Mais en général je me mets sur les deux fils parce que beaucoup de mongolitos comme lui se mettent sur la file de droite mais vont tout droit. Voilà. Et c'est de là qu'on passait de 3 à 2 fils. Voilà, vous voyez ces trottoirs de merde là. Voilà, un zigzag. Avant c'était tout droit et maintenant c'est un serpent, c'est le circuit polaire, Ricard Le Jarret. Voilà, bon, en tout cas il est fini. Hein. C'était l'occasion de vous le montrer. Alors. Pour le montrer dans l'intégralité, ça serait aller jusqu'à l'entrée de l'autoroute Est, vous savez, celle qui file à Aubagne. Sauf que les amis, je ne vais pas aller jusqu'à l'autoroute Est, ben, faut suivre les amis, je viens de vous le dire.
nous allons tourner pas longtemps là. Bye, direction Castellane. On va se faire un peu du centre-ville. Hein? Pourquoi pas? Vous aimez bien le centre-ville. A few moments later. La musique, c'est bien aussi. Vous me direz. Parce que les feux rouges, voilà. Alors, ben du monde, vous voyez les amis, il y en a. Alors, faut dire qu'il est midi, eh ben, demi, 33 pour être précis. Et la plupart de nos convives s'en vont manger. Bon, il y a du monde, mais ça va. On n'a pas à se plaindre, ça avance quand même. On ne fait pas la course, hein, mais ça avance. Alors là, si vous voulez, nous sommes à la hauteur, ben, à la Timone, juste à gauche, là. Et un feu rouge devant. Boulevard Abaye, voilà, nous y sommes. Alors je referme, ah ouais, vous avez compris que j'ai un peu ouvert parce que peut-être que je ne vous l'avais pas signifié, mais ben il fait chaud. Allez, j'ai commis, j'ai 20 degrés. Tout à l'heure j'avais 20 ou 22, voilà, 20. Et ben pourquoi? Parce que je suis sous les arbres. Hein. Donc là, vous voyez, si je passe au soleil, je pense que ça, bon, ben, ça va si entre 20 et 22, on va dire. Voilà. En tout cas, toujours est-il, donc, je vous disais, les amis, nous sommes sur le boulevard Abaye en direction de Castellane pour voir l'avancée des travaux du tramway. Là, là, là. Voilà, ça c'est dit, hein, c'est joliment dit. Oh, le feu orange, voilà. Alors, je sais que de temps en temps, il dit, ouais, t'as glissé un feu rouge. Écoutez, les amis, à Marseille, on grille pas un feu rouge, on glisse sur le feu rouge. Et puis, c'est tout. Voilà. Alors, si vous prêtez attention, les amis, petite collinette que vous voyez devant là, ben, c'est la petite colline où il y a sur la gauche, me semble, oui, à gauche Notre-Dame de la Garde, on va dire que c'est Vauban l'arrière, et devant c'est Castellane. Donc je vous disais qu'il y avait les travaux. Alors c'est chiant ces feux rouges, ça je vous l'accorde, hein. C'est vrai que les feux rouges, il en faut, on peut le concevoir, les amis, parfois c'est abusé, un peu comme là, voilà. Alors ça c'est pareil, comme je vous disais, on ne manque pas de travaux, en plus des feux rouges. Si on pouvait faire un pack et revendre le tout, hein, travaux feux rouges, je peux vous garantir que la ville de Marseille se ferait un paquet de pognon, les amis, un paquet. Voilà, un taximan. Là c'est des gens qui, après si on touche la voiture, ils pleurent. Vous voyez? Mais bon, on va pas s'énerver. Hein. Alors Castellane, les travaux, vous voyez les amis, voilà, nous y sommes. Alors, si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, on passait par derrière le rond-point. Maintenant, on passe de ce côté. Derrière, ben, it is a block, on arrive par là, en fait. Voilà, ben oui, vous faites un tronçon. Alors, vous avez vu, il raille. Voilà, on est en train de passer dessus. Bon, mais voilà, ça file les travaux. Alors, je ne sais pas aujourd'hui s'il y a le marché. On va regarder. Ah, ben oui, il est sur la gauche. Alors, je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas très marché, je ne connais pas du tout les jours du marché. Je sais qu'il y en a qui sont assidus sur le marché, me fait merci, pas de quoi, je ne comptais pas t'écraser, mademoiselle. Je ne connais pas du tout les jours de marché. Alors, parfois il n'est que d'un côté, parfois des deux côtés, un peu comme là d'ailleurs. Mais le côté gauche est beaucoup plus intense que le côté droit. Vous voyez, c'est clairsemé, on va dire à droite. Voilà, il y a quelques fleurs, puis il n'y a plus rien, puis quelques fleurs. À gauche, ça monte jusqu'au point du Prado. Alors, vous avez vu, tiens, puisqu'on arrive au point du Prado, ça me fait penser au stade Vélodrome. Bon, l'OM est qualifié, ça vous fait plaisir. Voilà. Je me suis fait avoir dans les bouchons, d'ailleurs. Je ne me rappelais plus le sort du match que, ben, qu'il y avait le match. Ah, ben, écoutez, il faut dire que j'ai un peu décroché de l'OM depuis quelques temps déjà. Voilà. Je ne connais plus l'intensité des matchs. On continue. Alors là, si vous voulez, c'est le boulevard Perrier. C'est le boulevard qui monte à Vauban, Notre-Dame de la Garde et tout quoi. Hein? Donc si vous êtes touriste, que vous êtes ici, vous prenez à droite, si vous voulez faire une petite prière, ben voilà. C'est en haut, à droite et tout droit. Voilà. Hein, pour faire après tout droit, non, il y aura quelques virages, quelques rues, mais c'est quand même relativement bien indiqué. Hein? Là, c'est l'avenue de Prado. Alors, Marseille vont dire oui, mais on le sait. Mais, oui, d'accord, mes amis. Mais sur cette chaîne, il n'y a pas
que des Marseillais. Et vous le savez très bien et je vous en remercie. Voilà, tout le monde. Alors, on va se manger un petit feu rouge. Ça. Eh bien, on en a l'habitude. Ça, c'est le cockpit. Voilà. Voilà, ça veut dire cassez-vous. C'est de toute façon gentil de dire cassez-vous. Tenez, on va passer par le Bricorama. Qui, je vous l'avais déjà rappelé, est là depuis très longtemps. Voilà, les piétons piétonnent. S'ils pouvaient se bouger un peu, ça serait bien. Allez, toi aussi avec ta BM de merde, tu peux avancer. Voilà, allez. Il a acheté le BM, il ferait mieux d'acheter un âne. Voilà, regardez-moi le. Oh là 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 là. Ouais. Ah ouais. Il y a des gens, ils ont un âge, je me demande pourquoi ils ont pris une BM. Mais bon, le bout d'un mois, il n'avait pas l'âge d'avoir une BMW. Les amis, je vais faire un petit arrêt. On se retrouve, pas maintenant, mais on se retrouve de suite. Hein? Voilà, de suite. Voilà, je vais me mettre là en double. Vous voyez que sa voiture de merde, il s'est mis là. Eh bien, écoutez, je vais le coller un peu. Ça lui apprendra à lui apprendre. Allez, les amis, on continue. Alors, sur ce beau ciel bleu azur, ben oui, nous sommes quand même sur la Côte d'Azur. Il ne faudrait quand même pas l'oublier. Nous continuons notre petite virée ensemble. Après ce feu rouge. Ah, il est passé au vert. Voilà. Mais on ne dit jamais 203. Je passe au vert et qu'est-ce que je m'en cape? Un rouge. Allez. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Alors, quand je vous dis un beau ciel bleu, hein, je vous mens pas. Putain, mais il est mou, lui, ou elle, elle. Bon, vous savez quoi? On va la laisser réfléchir. Voilà. Parce que franchement, des gens comme ça, ils sont pas contents. Hein. Allez. Allons faire cuire tout ça neuf, moi je continue. Le parc Chano, les amis. Ah oui, c'est la guerre, vous avez compris, c'est la guerre. Au bout d'un moment, voilà, chacun passe à son tour. Allez, on continue, les amis, ça va un peu mieux. Là, ça roule. Allez, va tenir, alors travaux pour travaux, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, je ferme un peu. On va. Allez, jeter un coup d'œil, on va dire vite fait, bien fait. Toujours sur le tracé du tramway, parce que je sais que vous aimez bien ça, le tramway. Moi aussi, hein, ça m'empêche même de dormir quand j'y pense. Le tramway. Ah, putain, sur la babosse. En fait, c'était plutôt. Enfin, vous m'avez compris. Allez, on continue. Hop. Alors, j'en profite un peu parce que quand ça roule, vous savez, ça fait du bien, quoi. Parce que souvent à Marseille, je vous dis, ça devient compliqué. Très compliqué. Là, il commence à y avoir du monde. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je pars par là ou est-ce que je. Ouais, vous savez quoi, on va abréger hein, parce que là c'est beau. Là, j'ai pas une vie, voilà, tout simplement. Mes chers amis, je dors. Comprenez bien, je dors. Ouf. Alors cette petite vidéo du week-end, oui mes amis, ça, je vais la sélectionner. Il faut accélérer un peu. Je vais la sélectionner comme cette petite vidéo les amis, du week-end on va dire. Voilà. Ah ben vous voyez, là ça avance, ça se développe. Le tramway. Je vous disais cette vidéo, vous voyez que j'ai sélectionné, ça sera la petite vidéo du week-end. Voilà, histoire de se détendre. Pourquoi? Parce qu'on a un temps magnifique. Il fait chaud, bon, mais je. Ah, mais 21, ça a augmenté. En tout cas, il fait pas froid. Le vent est tombé. La circulation, ça va à peu près. Ouais, parfait pour le week-end. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je dis que c'est parfait pour le week-end. Alors,
Bah écoutez, vous voyez, on est en fin de semaine, je ne vous le cache pas. Tout le monde s'attise d'ailleurs, à finir le boulot pour rentrer à la maison. Là, là, là. Et j'aime faire autant, les amis. Pourquoi? Parce que j'ai fini ma journée. J'ai commencé plus tôt ce matin, je ne vous le cache pas. Pour finir plus tôt, j'allais dire cet après-midi, oui, il est 13h, ça y est. Donc nous sommes l'après-midi. Mais c'est pas plus mal. Voilà, je vous le dis. Ah, un feu rouge, quelle surprise! Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Voilà, du tout. Allez, on continue. Voilà, quand je vous dis la petite vidéo du week-end, les amis, c'est parce que, écoutez, ça fait une petite balade qui n'est pas désagréable du tout. Nous allons prendre l'autoroute. Je sais que, on balade souvent ensemble. Maintenant, oh, c'est joli, ça, vous avez vu, ça faisait un cœur sur le postérieur. Alors, c'était marrant. Peut-être que je vous ferai un gros plan, peut-être, si vous êtes gentil. Voilà, alors, nous empruntons de ce pas, de cette roue. L'autoroute, je vois quand même un petit peu, j'espère que ça ne fera pas d'autres dommages collatéraux au niveau du son, voilà, ce côté, qu'un côté, voilà. Alors devant, il n'est pas nerveux, mais du tout, avec sa Peugeot pourrie de poule, hein, voilà. J'essaie de ne pas dire des choses grossières, les amis. Oh, quelle belle grue, vous voyez ça? Regardez-moi, le. Oh là 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 là, vous voyez, des fois, ils sont trois cons, ils se démerdent. Alors vous savez quoi, on va abréger. Surtout lui avec sa Peugeot de merde là-bas. Allez, vas-y, merci de rien. Ah, c'est bien, il accélère. C'est lui avec sa Peugeot de merde. Bon, alors, mes amis, je vous dis donc, quel plaisir de balader avec vous. Et vous, je sais que ça vous fait plaisir puisque vous me mettez assez souvent dans les commentaires. Toujours plus agréablement les uns que les autres, hein, je parle bien des commentaires, et ça fait plaisir. Regardez-moi quand même, vous savez, on ne fait pas attention quand on est à Marseille, mais quand même, quelle belle vue. Vous allez dire, c'est qu'une montagne, mais il y a des villes, Lyon, Paris, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ce décor. Et derrière, on a la mer, mais ça, je ne vous l'apprends pas. Mais nous sommes quand même chanceux, il faut bien le dire, quelque part un peu privilégiés, le contexte de la géographie, on va dire, le lieu où nous nous trouvons. Ah, oh, cette connerie, eh oui, parce que je me suis arrêté, vous voyez, ça fait deux fois, j'oublie toujours de le mettre, de le lever, pardon, oui, de le lever, parce qu'il se remet automatiquement. Ah, il me fait chier, alors lui, il me coffre avec sa clignot de merde. Les mecs, vous avez vu, ils avancent pas, il suffit que je me mette à doubler, et au double, mais ils avancent plus, voilà. Alors c'est une demoiselle, c'est un peu accéléré un peu, ça serait bien. Voilà, elle s'est mise devant, mais elle avance pas. Et c'est chiant. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Fini semaine, les amis. Voilà, la poste. C'est pour ça que la poste elle marche si bien en France. Quand vous avez des calamantrans comme ça. Voilà. Et maintenant je me mets là, le roi accélère. Ah ben tiens, voilà. Il a coupé le. Voilà, bien fait. Bien fait pour sa gueule. C'est bien fait pour sa gueule. Bon, en tout cas, les amis, ils se font la course là. Renault Clio contre Renault Dacia. Voilà. Il a vu que j'arrivais. Normalement, ça va. Il s'est dit, non, je suis bien roulé. Oui. Pourquoi il veut se mettre au milieu? À vitesse où il roule. Bon. Ah, en tout cas, écoutez, c'est pas grave. Je ne suis pas vraiment pressé, je me languis juste de finir de poser ce camion, magnifique camion, voilà. Et mes amis, sur ce beau décor, écoutez, non, pourquoi pas, on va en profiter encore un peu, allez, deux minutes, voilà, deux petites minutes. On va laisser Garibaldi faire sa connerie, et c'est très bien, voilà. Alors lui il prend des risques, parce que lui, ouais, il a un filet de merde, mais bon, si ça vole, après, c'est son problème, hein. Il a quand même fait l'effort de mettre un filet de merde, certes, mais il a mis. C'est rigolo, il n'avait pas de cheveux dessus, mais il avait une barbe comme ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Vous voyez, ces gens-là, ils se mettent au milieu. Alors, vous savez que moi, un poids lourd, je n'ai pas le droit de prendre un troisième fil. J'ai déjà vu des camionneurs le faire. Hein. Bon, moi, je ne prends pas ce risque-là.
Mais c'est eux là. Vous voyez, ils n'avancent pas. Ils restent au milieu comme des sardines. Et voilà. Qu'est-ce que je vous dis, ah, ça y est, lui il a compris qu'il commence à me gonfler. Bon, en tout cas, mes amis, vous avez vu, c'est vert. Hein. Faut dire que récemment, nous avons eu pas mal de pluie, hein, mais dans toute la France. Ça, je vous l'apprends pas. Hier, un peu de vent. Aujourd'hui, le soleil magnifique. Un temps extraordinaire, une température agréable. Pas trop chaud, pas trop froid. 21 degrés Celsius. Voilà, mes amis. Sur ce, nous sommes sûrement en plein week-end. En tout cas, vous, moi, oui. Et vous, je l'espère. Passez, mes amis, un bon week-end. Je vous dis à très vite et à ciao, ciao.